Je m'appelle Claire Le Palère et je m'occupe de la programmation des spectacles tout public pour le service de l'action culturelle à Melun. Je suis Maëlle Alvitre, je suis programmatrice jeune public et médiatrice culturelle. Donc je suis Charline Lavé-Filier, je suis chargée de communication. Christophe Durand, le régisseur général de l'action culturelle. On fait un travail de repérage avec donc ma collègue Maëlle qui s'occupe aussi de la programmation jeune public. On va voir des spectacles en festival à Avignon, à Paris, en région parisienne, voilà, plus ou moins proche de chez nous, pour voir si ça peut s'intégrer à nos programmations. D'une part, si c'est adapté à la salle, puisque donc on doit en priorité prendre toutes ces contraintes techniques en considération. Est-ce que ça rentre au plateau? Est-ce que ça sera un bon rapport scène-spectateur? Parce que chaque salle a un rapport différent, on ne peut pas tout faire dans toutes les salles. Le rapport financier également aussi, donc on doit chercher des spectacles qui rentrent dans une enveloppe budgétaire qu'on a à l'année. Et puis trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de choses, mais on ne peut pas programmer 10 spectacles de théâtre pour un concert ou 5 danses. Voilà, il faut, nous, dans notre, en tout cas dans la politique culturelle à Melun, on a une programmation qui est pluridisciplinaire, avec un axe assez fort sur du développement des publics et de la médiation culturelle. Donc on a des projets qui sont soutenus par des financements spécifiques pour les gens qui sont éloignés de la culture, les jeunes notamment. Donc c'est à prendre en compte dans la programmation, parce qu'il faut trouver des projets qui puissent parler à ces gens-là aussi. Donc après on fait une sélection, on envoie à peu près 80, je dirais, par an, et on en conserve, entre le jeune public et le tout public, une vingtaine, quoi. Ça consiste à permettre aux enfants, dès la maternelle, de en fait, se familiariser avec la culture et de prendre l'habitude d'aller dans des salles de spectacle, de savoir comment se tenir pendant un spectacle, et après pouvoir en discuter avec les professeurs, parce que chaque spectacle qu'on programme, c'est pas du divertissement, on va dire. Derrière, il y a un véritable contenu pédagogique. Donc on propose aussi, c'est pour ça que je m'occupe également de la médiation culturelle, c'est qu'en général avec les spectacles jeunes publics, je propose des actions en amont dans les établissements scolaires où les enfants sont préparés au spectacle. Donc soit ils rencontrent les comédiens, le metteur en scène, ou ils peuvent aussi faire des ateliers d'art plastique et tout. C'est vraiment une sensibilisation à l'art et à la culture. Il n'y a pas vraiment de différence sur le fond au niveau du métier, c'est le même, on a exactement la même démarche. C'est juste que moi je cherche des spectacles donc pour les maternelles, les élémentaires et collège-lycée. Et donc Claire, la programmatrice tout public, elle, c'est surtout pour le grand public, les adultes et les adolescents. Chacun doit trouver dans la programmation quelque chose qui lui parle. Donc ça peut être du théâtre, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse. Et dans chaque art, on doit veiller à ce qu'il y ait une représentation du soutien à ce qui est patrimonial, comme les œuvres classiques, que ce soit en musique, en théâtre. Et puis des œuvres aussi plus contemporaines, avec un soutien à la création, un soutien avec les nouvelles formes qui émergent. Donc le travail, il est un peu entre tout ça, c'est-à-dire d'essayer de toujours valoriser le patrimoine et en même temps de valoriser les nouvelles pratiques émergentes du spectacle vivant. On reçoit beaucoup de mails, de dossiers de spectacles, de liens pour aller voir des vidéos, pour télécharger de la musique, pour des CD, etc. avec des propositions. Et nous, on étudie tout ça, on en reçoit beaucoup. Moi, je dirais à peu près une cinquantaine par jour, j'avais à peu près calculé, que ce soit théâtre, musique, danse. Alors après, il y a des projets, on va recevoir dans la semaine trois fois le même mail, hein, mais bon, il faut donc faire du tri. Mais globalement, c'est à peu près 50 projets par jour. Donc il faut regarder ça, voir ce que nous, on va voir déjà, ce qu'on va décider d'aller voir ou pas. Donc la plupart du temps, c'est les producteurs, les compagnies qui nous contactent. Après, il y a des cas particuliers sur des compagnies qu'on connaît déjà, ou avec qui on a déjà travaillé pour certains projets, dont on sait qu'il y a une commande politique ou une commande par rapport à un besoin en scolaire. On peut aussi nous-mêmes contacter des compagnies pour créer aussi des projets sur mesure, notamment avec de l'action culturelle, par exemple. Choisir un spectacle, c'est forcément très personnel.
parce que c'est ma sensibilité à moi en premier. Moi, mes critères, alors il y a des critères techniques bien sûr, parce que notre salle de l'escale est quand même, vous avez pu la voir, c'est une très grande salle, donc je ne peux pas choisir n'importe quel type de spectacle, parce qu'un seul en scène par exemple, c'est un peu perdu dans cette grande salle, donc il faut quand même qu'il y ait pas mal de comédiens, un gros décor, enfin voilà, il y a plein de conditions techniques qui font en fait, qui m'aiguillent dans mon choix. Mais il y a aussi qu'est-ce qu'on veut montrer aux enfants. Ça va être ça, ça va être quelle est notre mission à nous. Et souvent, notre mission, elle est avant tout pédagogique en fait. C'est d'ouvrir à la discussion, à choisir des spectacles qui parlent de sujets d'actualité, même pour les petits, hein, on commence dès le plus jeune âge. C'est voilà, parler de sujets d'actualité, parler de discrimination, des autres cultures. Voilà, c'est de créer une ouverture d'esprit. La promotion d'une saison culturelle commence très tôt dans l'année. En règle générale, la brochure de la programmation sort juste à la fin de l'été, donc fin août, début septembre. Mais on commence à faire des teasers sur les réseaux sociaux et à promouvoir au niveau de la presse dès l'été. Donc pour la diffusion de l'information des spectacles, on utilise tous les moyens qui sont à notre portée pour pouvoir diffuser l'information. Donc des moyens payants comme la fabrication d'affiches 80-120, mais également beaucoup de choses qui sont gratuites et donc plus facilement réalisables pour nous, ce qui donc correspond à l'envoi d'une newsletter deux fois par mois, à l'utilisation des panneaux électroniques dans la ville pour diffuser l'information dans différents points de la ville. On utilise également beaucoup d'insertions d'annonces sur les sites internet qui sont gratuits et qui font de la promotion de spectacles comme le guide culturel par exemple, ou également le portail du site internet du Conseil général de Seine-et-Marne, qui est un bon relais pour nous pour diffuser l'information. Je m'occupe essentiellement de tous les spectacles qu'organise l'Action culturelle et je m'occupe de faire en amont toute l'organisation technique, que ce soit avec les compagnies, les producteurs ou avec les services techniques. Je fais le tampon des besoins, enfin le tampon entre les services techniques, les producteurs, les compagnies et la salle où va avoir lieu le spectacle. Voilà. Ça m'a bien plu, d'autant que je ne connaissais pas cette salle, qu'elle est particulière. Quand je suis rentré, j'ai vu cette espèce de grand hall gigantesque. Je pense que ça doit bien marcher quand il y a des vedettes de la chanson, des choses comme ça qui viennent. Voilà. C'est vrai que moi j'avais un peu peur, je me suis dit je suis un peu tout seul avec un texte particulier pendant 1h20 dans cette grande salle. Elle n'était pas remplie, c'était beaucoup plus restreint, mais il y avait quand même un espace, et puis finalement en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, c'était très agréable, je ne m'attendais pas du tout à ça. Évidemment, j'en reviens, bien sûr, en plus puisque l'accueil était très très agréable, les gens étaient super sympas, vous êtes super sympas, ça a l'air d'avoir plu, donc je pense que les gens reviendront me voir. L'équipe technique ici est super. Vraiment, ce théâtre il est impeccable. Si il y avait beaucoup de gens qui devraient prendre exemple, voilà. Justement, c'est ce que je leur disais tout à l'heure, on a eu le contraste, parce qu'en fait hier soir, donc, on était à Thonon-les-Bains, dans cette salle, très belle salle hein, d'ailleurs, mais aucun accueil. C'est-à-dire que je suis arrivé, moi, je n'ai vu personne. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est l'extrême inverse. Je suis arrivé, tout le monde était super adorable, on a mangé tous ensemble. J'ai ce magnifique tagine et c'était super. Mais franchement, voilà, je préfère ce genre d'ambiance où on est tous ensemble et où on partage des choses. Voilà.